c'est Juliane de la chaîne YouTube Diva Jolie. Je pense que je suis pas la seule à avoir un horaire chargé. Donc aujourd'hui, je vais vous partager quelques astuces capillaires qui vont vous permettre de perdre moins de temps quand vous allez vous préparer soit le matin avant votre journée ou pour un événement spécial. Donc le but, c'est de passer moins de temps sur notre look sans nécessairement faire de compromis sur celui-ci. La première astuce, c'est de choisir des produits multifonctions, comme une huile qui va venir donner du lustre, de la souplesse aux cheveux tout en venant discipliner les petits cheveux fous, les frisottis. Une dont je vous parle souvent, que j'apprécie particulièrement, c'est celle-ci. C'est le traitement capillaire à l'huile de macadamia africaine dans la gamme Pure Care Dry Oil de Dove. Et en fait ça, vous pouvez l'appliquer soit sur cheveux humides après la douche, ou sur cheveux secs, comme je le fais à l'instant. Là, vous me voyez en train d'appliquer du shampoing sec Nouveau Départ de Trésemmé. Bon, il n'y a rien de spécial là-dedans, vous allez me dire. L'astuce, c'est de venir l'appliquer dans les cheveux le soir avant d'aller se coucher. Le produit va donc travailler pendant la nuit, puis on va se réveiller le lendemain matin avec une crinière super volumineuse, rafraîchie, donc pas besoin de se laver les cheveux le matin même. Assurez-vous de bien brasser la bouteille avant de l'utiliser, puis pendant que vous l'utilisez. Ma troisième astuce, c'est de venir choisir une texture de cheveux qui se travaille super bien puis qui permet de faire beaucoup de coiffures différentes sans nécessairement se prendre la tête. Et ma préférée pour ça, c'est les cheveux qui sont légèrement bouclés, légèrement vagués, que vous venez créer avec une mousse ou avec un produit texturisant comme l'atomiseur au sel marin Trésemmé, qui est dans la gamme Undone Wave. Même si les cheveux sont mêlés ou légèrement couettés, c'est pas grave, parce que grâce à cette texture-là, on vient obtenir un résultat qui est un petit peu plus messy, plus décontracté. Finalement, rien de mieux que d'opter pour des coiffures qui sont vraiment rapides puis faciles à faire le matin. Je vais vous en montrer deux. La première, c'est de venir placer un bandeau dans les cheveux à peu près à cet endroit-ci et de venir insérer en enroulant des mèches autour du bandeau. La deuxième, c'est de venir réaliser un chignon flou. C'est un tutoriel que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Je vais vous mettre le lien juste ici et vous allez voir, c'est super simple. J'ai voulu faire vite, tu sais, j'ai un horaire chargé. Sans blague, j'en ai pas pour ajouter des astuces dans les commentaires. Sur ça, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Diva Jolie. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!